gentiment changé. Ah, c'est bon, j'ai réussi à tout changer. Bon, allez. Bon, j'attends juste que mon chunk se régénère. 2 minutes. Comment tu fais pour donner un nom à ton chien? Ah non, c'était pas ton chien qui l'a donné. Mais arrêtez avec vos chiens, je vous jure, je prends une épée, je les défonce tous, ok? Touche pas à voilà. Mon chien. Touche pas à mon poste. Tu veux aussi. Allez, 3. Eh non, Loulaine, c'est insupportable, réellement insupportable. Non, Loulaine, arrête, s'il te plaît. Non, c'est Madeors là qui s'est transformé en fourmi. Ouais. Non, c'est Loulaine. Putain, bon, ça me casse les couilles d'entendre Jean-Pierre Hameau gueuler là. Allez, c'est bon. Ouais. Allez, 3, 2, 1. Hey, bien, salut les amis, c'est Oxy. Et aujourd'hui, on se retrouve sur le serveur Magic Is Your Craft en compagnie de Black Dream. Ouais, c'est moi. Pardon. De Lugan. C'est moi. De Hameau. Bonjour Hameau. Et de Madeorsk. Il parle pas. Il parle pas, d'accord. Merde. Au passage, vous remarquerez la voix totalement charmante d'Oxy parce qu'il bug. Je prends la magie parce que. Oh, je suis un connard. Mais vas-y, mais. De toute façon, t'as pas de livre ni de baguette, tu pourras pas prendre le sort. Il va. Aïe, hey, commencez pas, vous péfra. Bon, on explique un peu à quoi il faut la nouvelle série sur oui. Ce serve et tout. Bah vas-y, Hameau, fais-le, hein. Puisque Hameau est le créateur du serveur, hein, il faut le dire. Alors, je suis le plus riche, donc j'ai de quoi payer le serveur. Alors en fait, Magic Is Your Craft, c'est un serveur bien évidemment privé, donc ouais vous pouvez pas rentrer dessus. À moi. C'est un serveur Minecraft Vanilla. Si je dis en rigolant, c'est vous pouvez pas rentrer dessus. Non mais faut payer pour rentrer en fait. faut que t'arrêtes de faire rentrer trop longtemps. Après c'est vos dons au compte PayPal de Loulaine. Non bref, voilà, c'est un serveur Minecraft. Je veux commencer par dire un truc. Il y a aucune possibilité quelconque de rejoindre le serveur, donc ça sert à rien de demander dans les commentaires, c'est tout, parce que je sens le spam. Voilà. Alors, je peux parler. Non, ta gueule. Allez, c'est parti. Bon, alors ouais, c'est un serveur Minecraft modé privé. Ouais. Qui est basé sur le thème de la magie en fait. Donc ouais. On a combien? On a 40 modes à peu près. Et que des modes par rapport à la magie, donc on va devenir des petites sorcières. Ah oui. On a plus 30 modes que 40 en fait. Parce que... Bah Black Dream en robe, ouais. Devrait aller. Je sais déjà ce que je vais faire. Voilà. Et donc dans ce premier épisode, on va découvrir le terrain tous ensemble. J'ai trouvé des girlfriends. Alors moi j'ai déjà trouvé la maison de quelqu'un, bonjour. T'as trouvé une maison chocolat? Elles sont sur un arbre. Ouais, il a je pense la structure sponsor cactus. Alors oui, donc juste au niveau des épisodes, je commence avec les gens, voilà. Après on va essayer peut-être partir de chacun de notre côté, je pense. Bah moi de toute façon après j'irai faire un petit épisode de mon côté et puis de temps en temps. C'est juste pour le début, on préfère commencer ensemble. Alors qu'est-ce que tu me proposes toi? Tu m'achètes du pain et de la. Hein? En fait quoi? Mon atelier. Merci. En fait, on commence tous ensemble et on est tous en train de se disperser un peu. Mais il y a des autruches partout, je vais me faire gangbang moi. Et comment je fais pour prendre des girlfriends? Girlfriends. Faut avoir une il faut une rose, tu prends une rose. Non, tu prends une rose et tu lui donnes. Mais oui. Faut une rose. Je faisais la manière forte, j'avais une. Une Pokéball. Tu vois, tu lui balances sur la gueule, tu la captures. Non, mais c'est une. Attends, je vais te dire le nom. Non, c'est une. Tu prends une rose. C'est une cage qu'il faut, une sorte de cage là. Non, alors la cage, ça c'est pour la capturer, la rose c'est pour que ça soit ta copine et ta cage. Je vais déjà mourir de faim. Oh, un serpent. La blague avant de commencer quoi que ce soit. C'est un biome Maessa. Un biome Maessa, voilà, c'est ça. Joli biome Maessa. Vous êtes où alors? Bah, moi je suis parti dans un biome Maessa justement. Non, je suis juste à côté. Bah, moi je suis dans une droite. Oh, j'ai trouvé un village. Oh, qu'est-ce qui m'attaque? Qui est le connard? Un serpent. Qu'est-ce qui se passe? Donc, le but de cette série, il n'y en a pas vraiment, c'est de s'amuser, je pense. Enfin, il y a tellement de trucs à voir que je pense que d'explorer c'est les modes chacun de notre côté. Et ouais, voilà. Ça. Donc, il y a pas mal de modes. Enfin, il y a Millénaire, il y a Ars Magica, il y a Tomcraft. Oh, j'ai trouvé une sorcière. Si vous voulez savoir tous les modes, alors une, c'est un launcher, ce qu'on n'a pas le droit de vous donner le launcher, c'est comme ça, sinon on a des problèmes avec les créateurs des modes. En revanche, il y aura tous les modes dans la description. Bah, écoute. Donc si vous voulez vous éclater vous-même, en fait, ce que vous voulez, mais... Ouais, il y aura une liste de tous les modes, et puis pas le launcher, parce qu'on a malheureusement pas le droit de vous le donner. Oxy, tu peux remettre ton établi, s'il te plaît. Tiens. Merci. Je veux dire quoi? Oui, veuillez re-excuser Oxy encore... Oh, une girlfriend, bonjour. Pour sa voix un petit peu... Buggée. Ouais.
Exactement, en ce moment j'ai des gros problèmes de connexion, mais ça devrait être résolu d'ici 2 semaines environ. Oui, C'est long. voilà. Ah, parfait, ça c'est bien la canne à sucre. Alors, je peux avoir un chien, effectivement. Le seul problème, c'est que bah, les deux, enfin, il y a 3 ou 4 abeilles. Ah! Ok. Enfin, non, en tout, on est 5. Mais il y a dû avoir Amo et Oxy, je pense qu'on fait spawn leur chien, où il y avait Loulen, je sais plus, et il est mort, le chien. Voilà, donc je préfère pas le faire spawn trop près de quoi que ce soit de dangereux, parce que c'est un chien. Et t'es en train de sous-entendre qu'on est dangereux? Non, je. Oh, village! Village! Un village agricole! Culture normande! T'as vu? T'as vu? T'as vu? Normandie RCZ. Bah oui, mon gars, vas-y, je vais m'installer. Et moi je vais... aussi, moi je vais un village. Oh, c'est le mien, c'est le mien! C'est quoi la touche de village? C'est quoi la touche de village? V. Oh, un village. Oh, Barneville le volcan. Oh vas-y, non, ça, je crois. C'est non, c'est... Oh, vas-y, j'en ai trouvé un nouveau. Allez. Byzantine. 20 mètres à l'ouest. Bon, je pense que moi aussi je vais aller à l'exploration, essayer de trouver. Tiens, je te laisse mon établi à mots. Ouais, essayer d'aller trouver mon village aussi pour m'installer. Et genre, ah non, ça c'est une sorcière. Les sorcières, c'est moyen. Ah, j'ai trouvé une sorcière tout à l'heure aussi. Oh, il y a une tour là. En fait, ouais, on n'est pas du tout ensemble quoi. Non. Ouais, voilà, c'est ça. On commence ensemble. Ce mode. Ou alors là, nous pouvons apercevoir un magnifique lion. Eh, mais je vais crever. J'ai plus de bouffe. J'ai tué le lion. Oh, je me transforme en lion. Vous pouvez voir que grâce au mode morph, on se transforme en comment? Au mob qu'on tue. Donc ouais, là, ouais, je ouais, suis un magnifique ouais. Lion. Ah, oh, un coffre. Village normand. Si ça, c'est bon, par contre, c'est pas très réaliste parce qu'il y a du soleil. Il voudrait bien la pluie et la neige. Eh, mais Black. Oh non, pas de la neige. La neige pas de mon village. Ça vous dirait pas, genre, on se retrouve parce qu'il commence à faire nuit. Loulé. Est-ce que t'es normand? Je suis déjà là. Non, mais c'est un village byzantin. Ça, c'est un village normand, mon gars. Mais c'est un village byzantin, il y en a deux juste à côté. Et quand je suis arrivé, il a dit que c'est un village byzantin. Et ça, mec, c'est un village normand, attends. Bah, je sais pas, j'en ai rien. On sait qu'il y en a deux à côté, mais. Regarde. C'est un village breton. Mais regarde. C'est un village breton. Non, mais je suis désolé, mais. Regarde, fêté. Enfin, fais le. J'avoue pas le but. Oh, j'ai trouvé. J'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Une maison. Mais en fait, c'est un byzantino. Il y a une sorcière. Ah, ça, ah non, c'est le mode. C'est le ouais, mode. Il y a une sorcière par là aussi, Black. Je vois rien. Il y avait, un coffre, mais je l'ai pris. Alors, comment elle s'appelle l'autre là? Voilà, c'est pourquoi je. Oh, c'est pas le... Ah, c'est je suis une sorcière. comment il s'appelle l'autre là? Elge. Bernard. Ça, c'est cliché de la Normandie, bon. J'adore. Ouh, soleil dans ma gueule, ça va. Bah, il commence à faire nuit, et puis moi j'ai déjà ma petite maison pour la nuit. Donc écoutez. Bah, écoute, moi c'est mon village. Mathilde bah, et moi aussi et j'ai mon village. La blague. Je connais pas de Edge, quoi. Enfin. D'accord, elle dort à même le sol. Éleveuse bovine. Ah non, ovine. Quoi? C'est quoi? Oh merde, j'ai tapé. Alors ça, c'est un sort. Non mais. Il y a de la lumière. C'est quoi? Mais ils ont oublié le net, c'est pas possible là. Attendez, mais je suis en train de mourir de faim. Toi fait, aussi? Ouais, moi aussi je suis en train de crever de faim. Moi aussi, c'est... Oh, il y a des poulets. Non mais non. C'est un villageo, pardon. Oh, des vaches. Mais, des vaches. Laisse-les-moi. Mais non, j'ai faim. Mais moi je viens de trouver un village. Attendez, j'ai arrivé. Putain, Black Dream, tu vas me tuer, connard. C'est toi? Mais oui, c'est moi. Putain, mais fais pas ça. J'ai trouvé un village. J'ai trouvé le village. Arrête ça. Oh, il y a des vaches. Je vais sortir. C'est nous, non. 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 Non, mais il s'est transformé en moi. Je pense que ça va être la merde, ça. Ok, moi je suis transformé en moi. Mais pourquoi, je peux me transformer en lui? Mais non, mais je suis pas un bordel de merde. C'était toi la vache. Mais oui, c'était moi la vache. Mais non, mais en plus, je suis en train de bugger. Non, en tout cas, tu m'as looté des côtes, Clète. Hein. Mais c'est normal, j'en avais sur moi un trou de fion. Chop. Il m'aurait fallu un four. Ok, je viens de mourir à cause d'un cactus. Je suis un vrai beau gosse. Putain. Donc 424 et 178. Je suis une pouille. Ok, il va pas s'en remettre. Oh, et mais sérieux, mais arrêtez. Putain, je me fais harceler par des fourmis, sérieux. Eh, viens sur le toit, viens sur le toit avec moi, Théo. En fait, Toxy va faire un zoo, mais ce sera lui, les animaux du zoo, tu sais, c'est...
Et devinez qui c'est que j'ai retrouvé, Jean-Pierre Rameau. Mais je deviens de plus en plus petit, mais c'est pas possible, ça, laissez-moi rester moi-même. Mais attends, c'est trop bizarre parce que, en fait, je crois que le village, ouais, il est. Moi, je suis dans un village agricole et une corion porra, mais t'es à 600 mètres. Mais il y a un village. Ah, mais. Attends, c'est vous ça? Attends, mais. Je vais mourir. Ah, il y a un loup-garou. Voilà, putain. Life is fire. Okay, c'est bon. Ah, mais moi, je suis genre dans un vrai village. Ah oui, mais il y a un vrai village en fait. Et non, c'est un fake. Non, mais il y a. Serpent ah. Mais il y en a non, plein de serpents. Il est gros. Oula. Oh, mon garou. Oh putain, bah je vais crever, mais c'est bon, là je vais entamer une série de morts. Viens chez Mathilde et Bernard. Oh, il y a un coffre caché ici. Oh là, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez me garder mes côtelettes, s'il vous plaît? Oh là, ok, c'est bon. Donc, tout le monde, on se retrouve maintenant de notre côté sur le serveur Magic Isurecraft, hein, encore et toujours. Et je viens de me transformer en crabe, bordel de merde. Donc, normalement, je vous ai foutu la petite vidéo qu'on avait filmée pendant le live de. Waouh! Petite vidéo qu'on avait filmée pendant le live de Black. Mais putain, mais je peux pas remonter, t'es sérieux? Et je suis en train de crever. Merci le crabe. Putain. Bref. Donc la petite vidéo qu'on avait filmée pendant le live de Black. Et là, on se retrouve donc une fois qu'on a fait un peu nos bases de notre côté. Je suis pas très loin de la maison de Black Dream. Et d'Oxylac. Moi, je me suis mis sous terre parce que voilà. La construction, c'est pas mon truc. Puis là, j'ai un grand espace. J'ai tout refait. D'ailleurs, j'ai pas bien refait le toit. Mais enfin, bref, on s'en fout. Et donc là, l'idée, ça va être d'utiliser le mode Manjika, qui est. Mode Manjika, s'il te plaît. Manjika 2. Voilà, qui nous apporte plein de parchemins. J'en ai trouvé pas mal déjà. Et donc, l'idée, ça va être de se faire un bâton. Le bâton, pour le faire, il faut de la Magic Dust, et c'est là où ça pêche, parce que la Magic Dust, on a une toute petite chance d'en looter sur les zombies. Pour faire un Magic Dust Generator, il y en a besoin de 6. Et pour faire un bâton, il y en a besoin de 1, et un bouquin, il y en a besoin de 1 aussi. Donc en théorie, il y en a besoin de 2. Alors, voilà, donc il y en a besoin de 2. Le problème, c'est que c'est rare, comme je vous l'ai dit, et avec tous les mobs qu'il y a, grâce à Horspawn, enfin grâce à tous les modes qu'on a rajoutés entre Gumo créatures, etc. Il y en a 39 en tout, donc forcément, voilà. La Magic Dust, c'est plutôt complexe à trouver. Bon bah je vais quand même essayer de me débrouiller. Et je reviens vers vous dès que j'ai quelque chose. Je suis dans une caverne. Oh putain non. Mais et je viens de trouver un spawner à zombies. Par contre, je sais pas si j'aurais pas préféré ne pas le trouver. Vous voyez, parce que disons qu'il est plutôt très violent. Putain. Alors, en plus j'ai plus de pioche, c'est génial. Parce qu'il y a des zombies qui explosent bizarre. Ah. Ouais, donc il y a des zombies qui explosent bizarre. Je sais pas où est-ce que c'était. Oh, mais ça doit pas être très loin. Putain, mais c'est tellement la mort, toi. Crève dans les murs. Mais... je me ferai une joie de te voir mourir. Mais regardez ces connards aussi, ça c'est des zombies qui explosent. Qui ont là plein de points de vie. Ils explosent. Et ils font perdre le truc qu'on a dans la main. Mais ils sont ultra violents. Ah, je vais crever, putain. Oh, j'ai looté une Magic Dust. Oh, c'est bon. Une Magic Dust, mais il m'en faut plusieurs en fait. Ça le problème. Putain! Je m'en vais. Ils sont pas terramentés. Ah! Putain de merde. Il va me faire tomber dans la lave cet enculé. Bonjour. Ah voilà, non mais en plus ils sont sadomaso ces zombies là, c'est des zombies genre. C'est des zombies connards. Alors, ça s'est arrêté pour le moment.
Je crois qu'il est juste là, le donjon. Juste là-haut. Alors ça s'arrête pour le moment, mais je pense pas que ça va durer extrêmement longtemps. J'étais passé par là. J'aimerais bien récupérer juste ma pioche, en fait. Oh oui, elle est là. Je suis full. Parce que cette pioche, c'est genre le truc le plus cheaté du jeu. Alors, on va juste faire son connard. Mais parce que ces zombies sont juste trop dangereux. Donc, enfin, les zombies qui explosent là. Ils ont réussi, mais. Enfin, ils font ultra chier. Oh, mais j'en ai deux, mais c'est parfait. Bon, bah écoutez, j'ai réussi, moi. Bon, enfin, je suis content. Un name tag, je sais pas trop à quoi ça pourrait servir, mais bon, c'est toujours cool. Ce casque, on en a pas besoin. Du fer, why not? Le même, on va le laisser là parce qu'on en a pas besoin. Bon, bah, du coup, on pourra exploiter ce donjon. Ouais, cette pioche est ultra cheatée, comme vous venez de voir. J'essaie d'éviter de l'utiliser. Oh! Tomium Sword. Ah non, j'en ai une meilleure. Oh, yes! Bah, même, du coup, je peux économiser une. Je peux en économiser une de poudre parce que j'ai trouvé un bâton. Donc du coup, coucou, excusez-moi, je suis occupé. Je voulais, ouais. Hop. On va mettre un peu tout notre bordel là-dedans. Voilà, maintenant, on attaque. What? Ah, c'est ils sont genre empoisonnés quand tu les attaques. Alors, ok, il me reste. C'est chaud avoir là, des points de vie avec ça. Ok. Je crois que le serveur a crash. Sauvegarde-moi ma Magic Dust, s'il te plaît. Ah non, c'était juste un gros lag. Oh, putain. De Magic Dust, s'il vous plaît. Bon, je suis content parce que j'ai trouvé un Magic un staff là. Alors, on va voir. Mais je pense pas que. Normalement, je peux pas l'utiliser encore parce que j'ai pas le. Aussi. Je peux. C'est tellement jouissif. Coucou, toi. Attendez, on va attendre qu'il y en ait plein parce que j'ai plus énormément de vie. Oh non! 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 Mais putain, non! J'ai détruit le spawner. Putain de merde, oh vas-y. J'ai détruit le spawner. Mais quel trou de balle! Mais quel con! Putain! Je sais pas si c'est Mungika. Non, c'est pas le même bâton en fait. Donc en plus, je me suis fait une fausse joie. Non seulement je me suis fait une fausse joie, mais en plus j'ai détruit le spawner. Mais quel trou. Mais non! Mais non, mais non, mais non, quel con. Putain. Bon, c'est pas grave. Allez, par où je suis arrivé? Je sais plus. On va remonter, hein. Alors, je sais pas si vous voyez grand-chose. J'en ai rien à foutre, je viens de détruire un spawner. Ok, bon, forcément, faut que je me prenne de l'eau sur la gueule. Chou. Ah, je suis dans une caverne remplie d'eau. Ok, d'accord. Bon, c'est toujours mieux de l'eau que de la lave. Je ne sais toujours pas où je suis. Putain, mais je suis tellement paumé là-dedans. Mais non, mais je suis dégoûté. Sérieux. Ah, mais quel con, mais quel con, mais quel con. Donc là, en théorie, je vais m'en sortir juste devant chez moi. Toujours est-il que j'en ai ras le cul d'être assez con. Ah! Enfin bref. Allez, on s'appuie toi pas sur son sort.
On a deux Magic Dust, c'est déjà ça. On a pu profiter du spawner un petit peu. J'ai envie de dire, voilà, on va se contenter de ce qu'on a. J'ai rien perdu, j'ai juste bouffé quelques pommes d'or, mais c'est pas la mort non plus. Alors du coup, première chose, on va pouvoir se faire le bouquin et le staff. Magic. Non, je voulais Dust. Alors, U. Nous, on a besoin du bâton déjà tout de suite. Alors, il me faut des sticks. Est-ce que j'ai des sticks? Je n'en ai pas. J'en ai. Hop. Hop. Une dust ici. Putain, mais comment il est rentré chez moi, lui? Connard. Je déteste les zombies maintenant. Une dust et le bouquin, comment on le fait? C'est plus dur à retenir. Ah, il faut des underpearls et du papier. Alors, est-ce que j'ai du bambou quelque part? Je crois que j'en ai dans l'autre baraque, mais je l'ai perdu, l'autre baraque. Je vous reprends en route parce que sur le chemin de la canne à sucre, bon, j'en ai trouvé un petit peu. Mais je vois, il y a ma girlfriend qui s'est tapée à moi, une girlfriend que j'ai eu sur le coup. Et qui est en train de niquer toutes les autres girlfriends. C'est excellent, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle loot. Elle est en train de les buter tous. Mais quel trou de balle. Elle bande dans un jouissement étrange. Est-ce que je peux me les mettre, genre... Non. Excellent. Je sais pas si j'aurais dû lui donner une épée en diamant. Je sais pas ce qu'elle lance. Elle lance des... Ok, elle lance des talons, des godasses. Oh, elle en avait plein aussi. Bah, de toute façon, elles en ont toutes plein. C'est juste le temps qu'elles se stack. Bref, c'est énorme. Bon, en tout cas, moi j'ai de la canne à sucre. Merde. Pourquoi est-ce que je tire? Je ne sais pas. Hop. J'en ai pas beaucoup, mais ça suffira. Je vais en planter de toute façon. J'en avais vu un petit peu. Ouais, je vole aussi, ça c'est parce que je suis en papillon. Ouais. Du coup, je vole. Je sais pas pourquoi je me régénère comme ça. C'est bizarre. Elle est là, la canne à sucre que j'avais vue. Mais what? Je sais pas pourquoi je me régénère. Hein. J'ai pas bouffé de pommes d'or pourtant. C'est bizarre. Bon bah en tout cas on retourne à la baraque. Bon bah c'est bizarre. Bon bah tant mieux hein. C'est-à-dire quoi que je suis invincible? Non. Je ne sais pas. Bon bah on se retrouve à la baraque pour crafter. Est-ce que j'ai des plumes? Je sais pas si j'ai des plumes. Eh, il y a un lapin. J'aime bien les lapins. Alors on va l'appeler comment? On va l'appeler... Jean-Pierre Amo Junior. Non, Amo Junior, allez, c'est bien Amo Junior. Voilà, maintenant on a un lapin sur notre tête. Bon, bref, ah oui, il faut aussi que je tue des Endermen, donc je vais faire ça. C'est bon, j'ai réussi à choper des Enderpearls. Donc on va pouvoir se crafter le bouquin. Alors, ah non. C'est vrai, c'était ça mon problème. C'est que j'en ai profité pour aménager. Enfin, aménager, c'est vite dit. Mais j'avais besoin de... Comment ça s'appelle? De poulet. Parce que, en fait, j'ai pas de plume. Il doit, à mon avis, il y en a pas très loin. Tiens, encore un nouveau chapeau. So the top. Bon, je vais chercher ça. Je reprends juste après. C'est bon, j'ai trouvé de quoi faire. J'ai réussi à me transformer en papillon par une opération du Saint-Esprit parce que normalement ça marche pas. Je comprends toujours pas pourquoi, mais enfin bref, on s'en fout. On a tout ce qu'il nous faut. J'ai besoin de quoi? J'avais besoin de la dust, forcément. On va aller voir. C'est le book.
Magic Book. Recipe. Non. Ok. Attendez, hop, on va faire ça. Papier, un bouquin. Donc déjà, on va se crafter le bouquin. Ok. Bon, je sais pas comment on le fait. Voilà. J'ai besoin de une fois ça. Et de papier, c'est ça? C'est comme ça que ça se craft. Ça fait longtemps. Ouais, c'est ça. Donc, bouquin. Bouquin, j'ai besoin de 3 papiers de plus. Les plumes, ok, donc ça c'est bon. Forcément, j'en ai que 2 parce que sinon c'est pas drôle. Vous comprenez. J'en ai pas mal dehors de toute façon. Ouais, c'est ça qui est chiant quand on est dans un truc qui vole, c'est qu'on n'a pas envie de le perdre, mais quand on va sur des blocs qui sont plus grands, enfin, sur la hauteur, on perd de la vie. Si on est tout petit accessoirement, mais bon, ça, on n'y peut pas vraiment grand chose. Hop. C'est bon. En théorie, on a tout ce qu'il faut. Si je fais ça, 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 on a notre magic book. Alors maintenant, je sais pas ce qui va se passer. Si je clique droit. Ok. Loser, machin, bidule, truc, spells. Ah, donc maintenant on a les trucs en bas à droite. C'est ça dont j'avais besoin. On va tester ça vite fait. Si je prends mon bâton, que je fais? Ah ok, ça annule le feu. Si je veux tenter, genre... Laisse-moi passer, toi, connard. Ok, c'est pas grave. Si je veux tenter sur ce mouton... Normalement, là, il pleut, donc en théorie, ça va faire beaucoup de dégâts. Ah ouais, merde. C'est ça le problème, c'est qu'il y a pas mal de conflits. Attendez, je vais voir un peu pour régler tout ça. C'est génial, il n'y a pas l'option dans les contrôles directs. Du coup, on va devoir se débrouiller... Putain, ras-le-bol de ces petits frises là. On va devoir se débrouiller sans le lightning. Donc si je veux tenter, genre... GG. Y. Y. L. Y. L. Je crois que arcane et fumée, ça faisait un sort super puissant dans Magicka. Alors... C'est génial. Le problème vient du fait qu'il n'a pas perdu de vie. Donc si je veux faire un rocher de feu. Ouh, le son est tellement horrible. Au moins ça fait des dégâts. J'ai envie de dire. Putain. Je crois qu'il n'y a que feu qui fonctionne en fait. Oh putain, feu c'est dévastateur par contre. Le feu c'est juste ultra cheat. Y'a pas un petit mob par là que je puisse destroy. Genre c'est pas grave, la girlfriend elle fera très bien l'affaire. Oh, pas mal de ralentissement. Hop, alors toi. C'est pas le bon clic. D'accord, elle est insensible au feu. Non mais normal. Hein. C'est pas grave, les arcanes. Pareil, mais j'ai l'impression que je peux pas les taper les girlfriends aussi. Alors, ouais, il y avait un serpent, c'est bien ce que j'avais vu. Je vais lui défoncer sa tronche parce qu'en plus il est sur l'eau. Eh ben j'ai plus de magie. Comme ça c'est fait. C'est pas grave, une fois qu'on aura assez de magic dust, on sera un petit générateur. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi ça fait depuis 3 jours que j'y suis, le temps de m'installer, etc. Puis je joue pas non plus 24-24.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dans le prochain épisode, on s'attaquera peut-être un petit peu en profondeur. Enfin, on s'attaquera peut-être aux choses sérieuses, j'ai envie de dire. Parce que ah, c'est cool hein, d'avoir ce mode-là, mais si c'est pour plus avoir de magie au bout de 2 secondes, ça le fait pas. Donc on va essayer de upgrade son staff déjà. Mais pour cela, il nous faut de la Advanced Magic Dust. Et l'Epic Magic Dust va nous permettre de faire des staffs encore plus puissants. Il faut aussi la Nether Star. Ouf. C'est violent. Et ça sert à quoi ça, Stardust? Ah, ça sert à d'autres. À d'autres bâtons. Ok, d'accord. Ok. Bon. Bah, du coup, je vais vous laisser là-dessus pour ce premier épisode.